Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Mass Effect 3 sur PC. Dans la dernière vidéo, nous avons fini le DLC donc de Omega avec Ariat Lock, Nirin Kandros, Pousslag, etc. pour reprendre la station. On va tout de suite faire le DLC Léviathan cette fois-ci. Alors donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. Et on commence tout de suite le DLC. On a déjà commencé avant en allant sur la citadelle, mais cette fois-ci c'est un petit peu mieux. Alors on va prendre celle-ci. Et celle-ci. Alors donc en armure, on va prendre celle-ci. Par contre en arme. Ça m'a l'air d'être tout bon pour ça. On va laisser comme ça, ouais. Et même chose ici, voilà. Par contre on a des points à mettre à niveau auto. Et on confirme, voilà. Espérons que la fin de ce DLC, on sera à niveau 50, comme ça on sera bien niveau des points. On y sera dans 5 minutes, commandant. Qu'est-ce qu'il y a sur cet astéroïde? Un site minier, TGES Mineral Works, petite installation. Ce serait une bonne cachette pour le Léviathan. Nous avons tous lu le rapport d'IDEA sur le labo de Bryson. Des questions? Est-ce qu'on en sait plus à propos de ce que ce Léviathan pourrait être? Pas vraiment. Juste qu'il a tué un moissonneur. Mais c'est Garneau, l'associé du docteur Bryson, que nous cherchons. Exact. Si on trouve Garneau, on trouve le Léviathan. Entendu. Le docteur a raison. Tout ce qui est assez puissant pour tuer un moissonneur doit être étudié. J'espère que Garneau aura les réponses à nos questions. Je relève des signatures de moissonneurs dans le champ d'astéroïdes. Bryson disait qu'il talonnait ses équipes. S'ils sont aussi après le Léviathan, leur présence est bon signe. On n'entend pas ça tous les jours. Conduisez-nous là-bas. Ok, c'est parti. Restez dans le coin, Cortés. On chope ce type et on dégage. Tenez-moi au courant pour les moissonneurs. Oui, commandant. S'il est idéal comme ça, sérieux. Des éclaireurs. Ils ont l'air plus gros que le terme éclaireur le laisserait penser. Première fois qu'on voit une brute en un solo. Moi, j'en ai déjà vu quelques-unes. En multi, et j'ai vu c'est un autre monstre également. Je sais pas quoi c'est pour moi. Ouais. Plutôt prendre notre fusil à pompe, notre fusil à sou. Fait que t'es pas. Trouvons Garneau avant que le gros des troupes n'arrive. Le personnel de ce site se. Alors, fusil c'est là. On place là. Et on place comme ça. Allez, ouvre-toi. Ah, il y a une cinématique. Bienvenue chez TGES Mineral Works. Tous les visiteurs doivent se présenter à la réception. Ça ne va pas du tout. Je suis le commandant Shepard de l'Alliance. Des moissonneurs viennent juste d'attaquer votre porte. Ils sont toujours là? Nous nous en sommes occupés pour l'instant. Je vois. Ce sera tout. Ce sera tout? Bonjour. Oui. Bien.
bienvenue chez TGES. Oui. Pour la visite, veuillez vous inscrire. Vous avez l'air de vous moquer des moissonneurs. TGES Mineral Works fournit du... Je parle pas. Vous êtes familière avec les applications du tungstène ? Je cherche un scientifique. Il serait arrivé au cours des deux dernières semaines. Il n'y a pas de docteur. Et si j'entrais pour jeter un coup d'œil ? Nous en avons fini. Shepard, je pense qu'on... En effet, on inspecte en douceur. Oh, c'est bizarre. Dans les conduits. Excusez-moi, vous n'avez rien à faire ici. Très très bizarre. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Non, bon, je fais comme si j'étais pas là. Ces gens semblent craintifs. Difficile d'en trouver la raison. Il faut retaper l'ascenseur. Terminal de maintenance activé. Je règle le drone pour réparer l'ascenseur, mais il faut rester près de lui. Garneau Alex. Ça veut dire que Monsieur Garneau est bien présent. Le registre de sécurité de l'ascenseur indique que Garneau était ici la semaine dernière. Pourquoi mentir à ce sujet ? J'en ai aucune idée. Espérons qu'on n'aura pas à chercher trop longtemps. Très très bizarre. De douleur est induit plus rapidement. Intéressant. Il faudrait se pencher sur la question. 60 jours avant que le dernier périsse d'inanition, dans le meilleur des cas. Absolument. Ce sont les bonnes données. Vous avez vu le docteur Garneau ? Vous n'avez rien à faire là. Implication évolutionniste de la biotique humaine. Les mineurs partagent un point commun. Ils semblent tout faire sauf miner. T'as compris ça tout seul, idée, bravo. Repartez. Ceci est une zone interdite. Numéro d'idée du personnel de TGES nécessaire. Je n'en ai pas. Accès refusé. C'est bizarre. Ça me fout la frousse. Je n'en ai pas. Accès refusé. Si quelqu'un veut s'en débarrasser, vous savez que... Faites demi-tour. Vous n'avez rien à faire ici. Ouais, j'avais compris. Très bizarre. Donc il est toujours là. Est-ce qu'on a ce code piraté ? Oui, il faut juste le saisir dans le terminal de sécurité. Regardez la carte. Vous ne devriez pas être ici. Arrêtez de tous dire ça, s'il vous plaît. Un badge ? Je n'en ai pas. Accès refusé. Ceci est une zone interdite. Numéro de dossier de patient requis.
je n'en ai pas. Accès refusé. Repartez, commandant. Oh, apparemment ils nous connaissent. Ils savent qui nous sommes. Je me pose la question, est-ce qu'ils ne seraient pas tous contrôlés par le Léviathan ? Repartez. Vous le devriez. Utilisez le code de Garnot pour pirater le terminal, qu'on en sache plus. Accès accordé. Un vaisseau l'a déposé il y a une semaine. Pendant un temps, il a eu un accès illimité, puis il s'est caché. Un homme inconnu a été impliqué dans une altercation dans les mines. Garnot se dirigeait vers les mines. On dirait qu'il a été emmené à l'infirmerie. Vous êtes dans le labo de minéralogie, un secteur ouvert de basse sécurité. L'infirmerie n'est accessible qu'au personnel autorisé, muni d'un numéro de dossier de patient actif. J'ai le numéro de dossier. Allons chercher Garnot. D'accord. Je me demande si je peux accéder là-bas. C'est assez bizarre quand même, hein. Ceci est une zone interdite. Numéro d'ID du personnel de TGES nécessaire. ID 231-95. Accès accordé. Tout ça pour ça. Et ça aussi. Ok, pour aller à la suite maintenant. Bon, franchement, j'aime bien ce type d'aventure là, c'est assez énigmatique, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais des moissonneurs devant. On sauvegarde. Dossier 7364. Accès accordé. Rien par là. Oh. Serait-ce le corps de Garnot ? C'est Garnot ? Pourvu que non, ce serait l'impasse. Oups. C'est Garnot que vous cherchez, vous l'avez trouvé. Je suis le docteur Garnot. Je suis le commandant Shepard de l'Alliance. Vous allez bien ? Oui. Seulement, je suis piégé ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je menais mes recherches jusqu'à l'incident. Ils vous ont attaqué. C'est vrai. Mais mon confinement mis à part, je vais bien. Les travaux de Bryson m'ont mené à vous. C'est Bryson qui vous envoie ? Il est mort, docteur. Tué par son assistant. Je vois. J'ai besoin de savoir tout ce que vous avez découvert sur le Léviathan. Bryson semblait penser qu'il a tué un moissonneur. C'est un mythe. Une impasse. Dans votre appel à Bryson, vous avez parlé d'un artefact. J'en ai parlé ? Non. Si, docteur, vraiment. Mais pour l'instant, les moissonneurs attaquent. Je dois vous sortir de là. On prend l'artefact et on fonce. Les moissonneurs. Les ténèbres ne doivent pas être violées. Les ténèbres ? Pourquoi me poursuivez-vous ? Docteur ? Laissez l'artefact. Vous ne prendrez pas ce qui m'appartient. Je ne crois pas que nous parlions à Garnot. Vous avez tué un moissonneur. J'ai besoin de vous. Vous n'apportez que la mort.
c'est parti pour la course. Quelqu'un a coupé le courant. Quelle idée aussi. Il s'enfuit. Quittez ces lieux. Attendez, il faut atteindre l'artefact avant lui. Il a dit qu'il se trouve dans les mines. Nous devrons trouver un autre chemin. Bon, ça va attendre le changement. Les notes de Garneau nous donnent les coordonnées de l'artefact. D'après ma carte, il y a une porte de service à la prochaine station de tram. On dirait que nous ne sommes pas les seuls à y aller. Je discerne une tendance. Malgré la loi des moyennes, jamais les moissonneurs ne s'éloignent de nous. Il s'enfuit. Ennemi sur le balcon supérieur. Surveillez nos flancs. Ah voilà, les ennemis que je déteste. Bah, ils sont moins résistantes que les autres. Que celles en... Oupsi. Voici la porte. Ok, trouvons l'artefact. Allez, allez. C'était quoi? On dirait que l'alimentation de la porte a été coupée. Les parties endommagées sont là-bas. On devrait envoyer ce drone de réparation. On va devoir l'escorter. Malheureusement, le drone est endommagé et utilise ses batteries. Alors ne perdons pas de temps. Une réparation faite. Encore une. Il faut tenir un peu plus longtemps. Compris. Allez, allez. On est bientôt. Une furie. Début des réparations. Allez, répare-moi ça. Réparation accomplie, disparition. On fait demi-tour. La porte doit être activée. Voilà.
l'artefact. Comme dans le bureau de Bryson. Dégagez, j'ai une ligne de tir. Repartez. Garno! Shepard, par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'était pas Garno. Le voici. Apparemment, il est mort depuis longtemps. Le Léviathan peut donc faire assassiner Bryson, prendre possession de cette colonie et utiliser les gens comme des marionnettes. Autre chose d'utile? Des données cryptées et une messagerie avec 8 appels manqués. Anne Bryson? La fille de Dr. Bryson. Qui êtes-vous? Je suis le commandant Shepard. Je crois... Je me sens... Vous reconnaissez cet homme? Jamais vu de ma vie. Quelqu'un ici l'a tué. Quelqu'un ici? Comment c'est possible? Vous pouvez me dire ce qui vous est... Pas vraiment. Je... Si le sombre était une sensation, c'est ça que j'ai ressenti. Cet artefact... Il sort de là. Ah oui. La direction devait envoyer quelqu'un. C'est tout. Quand est-ce? Quel est votre... Affirmatif. Un truc bizarre. Moissonneur. On est en quelle année? 2176. 2176, c'était il y a 10 ans. Quoi? On va évacuer ces gens et les mettre en quarantaine temporaire. Aucun souvenir des 10 dernières années. Ils ont du temps à rattraper. On dirait que le Léviathan peut non seulement détruire un moissonneur, mais aussi endoctriner les aigles. Ça pourrait être un moissonneur? Si c'est un moissonneur, j'aimerais bien savoir ce qu'il trafique. Depuis combien de temps il est là? Et plus important, pourquoi? Idea, les notes de Garno ont donné quelque chose? Oui. D'après elle, Garno aurait trouvé un moyen de bloquer les propriétés. L'artefact semble être là. Entendu. J'aurais besoin de toi. Oui, commandant. Je veux savoir exactement ce que sont ces saletés d'artefacts. Quoi qu'il en soit. Et il y en a un qui trône au beau milieu. Ça, c'est vrai qu'il y en a un au beau milieu, Stadel, là. Ça, c'est dangereux. On leur dit, mais là... Rien. Spectre, terminal, rien non plus. Commandant. Voilà. Ok. Allons en relais. Apparemment, il y a un endroit ici qu'on pouvait, où on peut avoir pardon, des ressources. On va regarder ça. Pas dans cette zone, apparemment. Kayakawa. Qui est tout là-bas, bien sûr. C'est dans ce moment. J'ai trouvé quelque chose. Signal confirmé. Mascara. Pour le mascara. Mascara. Alors, qu'est-ce que c'est? Archive de renseignements Mobius. Ouais. Ok, pourquoi pas. J'aurais peut-être pas assez d'essence. Ou alors, ce sera tout pile. Alors j'ai un petit peu encore de rab. Y'a pas de station de carburant ici? Non. Site 31, d'accord. On va quand même chercher un site 31.
bon, on prend le petit peu d'essence. On peut prendre 15 sites protéins en fait à chaque mission, après chaque mission sur une planète. Hein. C'est pour ça. Ça. Ça, deux. Voilà. Tarot Resilience, je ne sais pas à quoi ça sert cela. On retourne au relais. Ok, j'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres objets ramassés dans les secteurs actuellement. On regarde juste vite fait. Hein. Il y a certains endroits où je n'ai encore rien trouvé, du coup je ne peux pas savoir à l'heure avancée. Je ne connais que ceux où je trouvais déjà un objet au moins. Ah, secteur d'A. Ici, quelque chose. Secteur d'A. J'ai trouvé quelque chose. Secteur de quoi ? D'Athéon. D'Aéton, pardon. J'ai cru de lire Arthéon. Oula. Ça va pas te regarder trop noob, hein. Là, il devrait y avoir deux objets. Un ici. Ok. Le deuxième est là-bas, c'est sûr et certain. Ce bruit quand les moissonneurs arrivent, ça me défonce tout le temps les oreilles. Et t'as reflué, hein. Sur les souris aussi. Trois fois toucher trois planètes d'un coup. Donc c'est celle-là. Non, c'est celle-là. Ah, c'est Volus Knu, enfin Knu, Knu, pardon. C'est moi, c'est l'heure évitée. Ok, donc ça c'est fait. Signal confirmé. Et ça c'est pas encore pour tout de suite, cette planète là. C'est pour plus tard dans le jeu. Donc là, on va aller retourner à la citadelle dans le labo de Marisoun. Labo du Dr. Bryson. Et je sais pas comment on va faire pour cet artefact qui prend le contrôle encore. Oula, les lampes pixelisées. Voilà quoi. Allez, dans un mois, on a le nouveau Mass Effect qui arrive là. Il faut isoler l'artefact qu'ils ont ici. Avec les données de garde. Putain de truc est ici depuis tout le temps. C'est peut-être une question de temps. Après une certaine durée, il confère au Léviathan une impressionnante capacité de contrôle mental. Et c'est vraiment dangereux. Le Léviathan le contrôlait peut-être pour se protéger. Peut-être. Ça nous dit aussi. Malgré les risques, on trouvera peut-être davantage. D'accord. L'équipe de Bryson a peut-être trouvé quelque chose qu'on a manqué. Je vais jeter un œil. Ok. L'assistant de Bryson, Hadley. On est du nouveau sur lui ? Il est dans un état végétatif. Ils testaient encore les émissions énergétiques de l'artefact. Et ils n'ont rien trouvé. Malgré tout, je préconise de l'isoler. Des choses intéressantes sur la structure de l'artefact ? Il n'est pas constitué des mêmes composants utilisés pour la technologie standard des moissonneurs. À part ça, rien de particulier. Ok. Idea,
Sur quel projet travaillait Garneau quand il a trouvé l'artefact? Basilic. T'as des infos sur Basilic? Plusieurs vaisseaux. Une créature mythique et une créature de puissance moyenne dans le jeu vidéo Galaxy of Fantasy. Elle possède une attaque par regard, capable de provoquer des animations synchronisées de mort. Les joueurs sur les forums la décrivent comme trop puissante. Je parlais du projet, Idea. Oh. Alors, non, aucune. Il doit bien y avoir des données sur cet artefact ici. Un message de la fille du Dr. Bryson. Je suis sur le site des fouilles, dans la nébuleuse de Pylos. Le projet Scarabée a fini par porter ses fruits. J'ai trouvé un autre artefact, semblable à celui de Garneau. Il pourrait affecter le comportement des gens. Il faut isoler celui qui est dans ton bureau. J'ai tenté de prévenir Garneau, mais je n'arrive pas à le joindre. Des éclaireurs moissonneurs s'approchent du site principal. Je fonce vers la base secondaire pour récupérer un maximum de données de recherche. Anne Bryson tentait de contacter Garneau. Elle semblait inquiète. Si les forces des moissonneurs... Espérons qu'on la retrouvera. Elle a dit qu'elle était dans la nébuleuse de Pylos. J'affiche la nébuleuse sur la carte de la galaxie. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ses antécédents professionnels qui pourrait nous... Tu sais si le projet Scarabée... Des corrélations entre le projet Scarabée et ses observations de créatures inexpliquées? Anne Bryson est partie à bord de l'Icarus. Tu peux suivre sa trajectoire? Non. Il y a des spécifications pour plusieurs vaisseaux ici. Qu'est-ce que je cherche comme vaisseau déjà? L'Icarus. Nous cherchons l'Icarus. L'Icarus. Le vaisseau possède des cellules de décharge électrostatique. Ils sont donc allés dans la nébuleuse de Pylos par relais... Oui, sinon ils auraient affaire. Ok. Donc... Ok... Encore un petit jeu de piste bien marrant. L'armoire est verrouillée. Il nous faut une carte d'accès pour l'ouvrir. Et pour les activités criminelles dans la nébuleuse de Pylos? Le secteur fait partie de la travée de l'Attique. Donc dans le meilleur des cas, les rapports ne sont pas fiables. La carte d'accès pour l'armoire forte? Oui. D'après les archives, la dernière personne à l'avoir utilisée est Anne Bryson, afin de se procurer du matériel pour le projet Scarabée. Voyons voir ce dont Anne Bryson avait besoin pour le projet Scarabée. Une tenue coupe-vent? Pas de combinaison environnementale. D'après ce que Anne Bryson a ou n'a pas réservé, le site des fouilles était aride, mais habitable. Filtre-moi les systèmes présentant des planètes compatibles. D'après les données de recherche, c'est l'un de ces deux systèmes. D'après ces données, il n'y a qu'un seul système qui corresponde. Bien, allons trouver cette Anne Bryson. Ben voilà. Pas plus court que l'autre, celui-ci, mais bon. On y va. Le Normandie. Et donc ça fait quand même déjà une petite vidéo là, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie du DLC du Léviathan. Donc dans la deuxième, dans la prochaine vidéo, nous ferons sûrement donc la fin du DLC. On verra bien comment ça se prononce, on va dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout s'abonner à la chaîne. C'était The Stealth, moi j'ai TubeNHD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, vive les jeux vidéo.